Bien oui, pour les cinquième épisode, bienvenue sur BST du CGT, bienvenue sur Téléternel du Conseil Galactique Temporel. J'ai mis 242, pourquoi? Parce que ça veut dire 24-2. J'explique The Gate, les portes du temps, les ouvertures spatio-temporelles. Un truc que le commun des mortels ne peut pas comprendre, vu qu'il y a 90% de son cerveau qui n'est pas branché. Heureusement, moi j'ai un cyclotron mural. Marie, c'est la mère médite et renaît. Le père, le plus permanent, faut que je rajoute. Faut que je rajoute des trucs. Ça, c'est le retour du Jedi. Et ben, les deux premiers épisodes, ça explique vraiment l'espace-temps. Je me suis bien rendu compte que finalement, MPA, MDMA, je sais plus, procréation médicale assistée, PMA, et ben j'ai l'avis du rabbin, j'ai l'avis du musulman, et j'ai l'avis du curé catholique. Ben, les monothéistes, c'est des éléphants qui comprennent rien. Pourquoi je dis ça? J'en sais rien. Si je le sais, je suis toujours en quête de vérité. Je cherche. Et tu cherches à comprendre. Steph disait, ça sert à rien, tu comprends rien. Mais si. La notion d'espace-temps, des anges, du machin, des esprits qui t'incarnent. C'est pour ça la science de l'éther. La cousine, elle comprend un beignet. Cacheton, cacheton, cacheton. En fait, elle ne se rend pas compte que quand tu crois que tu fais du bien, en fait, tu fais du mal. C'est pour ça qu'il faut rien faire. Comme ça, tu fais pas de bien, tu fais pas de mal. Enfin, faut rien faire. Faut faire du bien. Faut dire la vérité. Faut partager ta joie. Faut faire avancer ceux qui te posent des questions. Si on ne te demande rien, tu te refous. C'est pour ça que je fais ma permanence au 35 boulevard de Riquier, tous les midis j'y suis. Je bois ma 8-6 parce que je suis né le 28-6 et que ma Vierge Marie était de 86. Après j'emmène le rosé chez Tata parce qu'il y a, y a grève de Cécile. Comme ça. Et je partage avec Tata parce que le Seigneur a dit buvez c'est mon sang. Et ça fait 9 ans que j'ai pas pris un cacheton, que je suis jamais malade. Tu vois? Sauf un Imodium une fois à la répète. Mais bon, il n'y a plus de répète. Alors. Mais il est bien le morceau Rédemption. Voilà. J'en ai pas pour 3 heures. Fais chier. J'en ai. Nous sommes le 24 février à 23h03. Et je suis à 23%. Tu vois. Donc c'est normal pour jusqu'à 2-3 heures du mat, vu que j'ai encore 4 films à mettre. Pour l'instant, c'est que le premier. Et encore, je l'ai balancé vers 20h. Mais il est toujours qu'à 23%. Tu vois? Avec redémarrage spatio-temporel. Ouais. The Gates. Les portes du temps. Les couloirs du temps. Bon, c'était l'épisode 5. Je vais transférer tout ça, et puis après, le temps de l'envoyer, j'aurai qu'à faire une sieste. Mais quand t'es pas devant l'ordi, ça plante. Faut être à côté. D2R2, il a besoin de compagnie. Sinon, il s'arrête. Comme ça. Faut être envoyé spatial pour Téléternel. C'est à vous, cognac, j'ai pas. Mais j'ai le tonneau. J'ai le tonneau Grant. Grande pour ne pas se tromper. Mais il n'y a rien dedans. Mais il s'ouvre par l'arrière en fait. Faut mettre un cubi ou je sais pas, faut mettre quelque chose. Voilà. Et de toute façon, on n'a jamais de sous. Alors. Je n'ai même personne qui finance l'éternel. Si, ceux-là qui je dois, qui sont mes chevaliers principaux, intergalactiques, astropotes, c'est Florence Marie et Michel. Voilà. J'ai mon Saint-Michel et j'ai ma Florence-Marie. Et c'est par eux que je survis. Comme ça. Et par Tata.